Unité 3. Les loisirs. Grammaire. La phrase impérative. Pages 92 et 93. L'école des mots français. J'observe et je découvre. Le moniteur s'adresse aux enfants. Finissez l'activité à l'heure. Le moniteur parle à Karim. Range tes affaires. Karim parle à ses camarades. Organisons cette salle. Le moniteur s'adresse aux enfants. Finissez l'activité à l'heure. Le moniteur parle à Karim. Range tes affaires. Karim parle à ses camarades. Organisons cette salle. 1. Combien y a-t-il de vignettes? 3 vignettes. Deux. Qui parle dans chacune de ces vignettes? Et à qui? Vignette 1. Le moniteur s'adresse aux enfants. Vignette 2. Le moniteur parle à Karim. Vignette 3. Karim parle à ses camarades. Je manipule et je comprends. 1. Quelles sont les phrases dites par le moniteur? Finissez l'activité à l'heure, range tes affaires. Deux. Par quels mots commencent les phrases écrites dans les bulles? Et par quoi se terminent-elles? Elle commence par des verbes et se termine par un point et un point d'exclamation. Trois. Est-ce qu'il y a un groupe nominal sujet dans ces phrases? Non, il n'y a pas de groupe nominal sujet. 4. Est-ce que ces phrases sont déclaratives? Pourquoi? Non, elles ne sont pas déclaratives. Elles ne contiennent pas d'informations, elles n'expriment pas des points de vue. Cinq. Récris la phrase dite par Karim en commençant par nous. Que remarques-tu? Nous organisons cette salle.
Dans la phrase commençant par nous, il y a le sujet. La phrase informe. Comment appelle-t-on, alors, le type de phrase écrite dans les bulles? Dans les bulles, les phrases sont impératives. Je retiens. La phrase impérative peut exprimer un ordre, un souhait ou un conseil. Elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Le verbe de la phrase impérative est à l'impératif. Le sujet de cette phrase n'apparaît pas. Il est sous-entendu par sa conjugaison. Deuxième personne du singulier. Première et deuxième personne du pluriel. Je m'entraîne. 1. Colorie les phrases impératives. A. Les enfants sont dans le parc de jeux. B. Dessine ton jouet préféré. C. Quels sont tes loisirs? D. Jouons ensemble. E. Nagez attentivement. F. Aimes-tu aller au cinéma? B. Dessine ton jouet préféré. D. Jouons ensemble. E. Nagez attentivement. Deux. Transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. Exemple. Nous choisissons les jeux de sport. Choisissons les jeux de sport. A. Tu lances le dé. B. Vous finissez le match. C. Nous jouons aux billes. D. Vous choisissez des livres. Lance le dé. Finissez le match. Jouons aux billes. Choisissez des livres. Je m'évalue. 1. Entoure les phrases impératives. A. Donne-moi tes billes. B. Les filles sautent à la corde. C. Yassin joue aux échecs. D. Changeons nos places. E. Finissez la partie du jeu. F. La musique est un bon loisir. A. Donne-moi tes billes. D. Changeons nos places.
Finissez la partie du jeu. Deux. Forme des phrases impératives avec A. La ligne d'arrivée. Franchissez. B. 7. Écoute. Chanson. C. Tranquillement. Jouons. D. Cinéma. Allons. O. Franchissez la ligne d'arrivée. Écoute cette chanson. Jouons tranquillement. Allons au cinéma. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.